Ne l'oubliez jamais, la vie est courte. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut sortir de sa zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie, vous allez me dire? Tous les humains ont évidemment besoin de nourriture, aussi d'amour et de tendresse, mais il y a autre chose dont nous avons tous besoin. C'est de savoir qui nous sommes et pourquoi nous vivons. Un de mes rêves serait pour commencer de mettre le pied sur chacun des continents durant ces prochaines années. Voyager, c'est grandir, c'est la grande aventure, celle qui laisse des traces dans l'âme. Je peux vous dire qu'avec un petit salaire proche du SMIC, aux alentours de 1400 euros tout de suite après mes études en France, il y a encore quelques années, cela aurait été difficilement réalisable. J'ai dû faire des choix, prendre des décisions différentes de la masse, garder un esprit positif, peu importe les défis que je devrais surmonter pour vivre mes rêves éveillés et non y penser juste les yeux fermés quand vient le temps de dormir. Ainsi, pour se rapprocher de cet objectif, on va commencer par un départ à destination de l'Asie. Et vous allez me dire, ouais, mais l'Asie, c'est grand. Soyez patient, encore quelques dizaines de secondes et vous connaîtrez la destination finale. Sacré voyage, je viens d'arriver à Séoul, en Corée du Sud. Je fais juste une escale de 2h30, je pense. Donc là, on est déjà arrivé à l'aéroport. La compagnie en arrière. Et la suite dans une dizaine de secondes. À bientôt. Direction la destination finale. Nous voilà enfin arrivés. Alors la destination finale, c'est l'Indonésie. Alors vous allez me dire, bien sûr l'Indonésie c'est très grand, mais là où je suis actuellement c'est à Bali. Enfin arrivé à l'hôtel. Alors je pense que la chose qui va être très très importante, hein, si jamais vous prévoyez de venir ici, c'est la personne qui vient vous chercher à l'aéroport. On a attendu environ une heure pour les bagages, peut-être ça a l'air d'être quelque chose de normal, ou peut-être qu'on n'a pas eu de chance. Et le chauffeur, une heure ça devait être un peu trop, donc il a quitté. Et on a rencontré un petit jeune et puis on lui a demandé s'il pouvait nous appeler le chauffeur et puis nous aider. Ça a été appréciable. Et donc maintenant, on est arrivé enfin à l'hôtel et voici un petit descriptif de la chambre. Alors voici la salle de bain. Ensuite, chambre. Et la vue. La vue sur la piscine. Ah, pas mal. Allô tout le monde. Alors voici mon nouveau lieu en Indonésie. Alors je voulais commencer cette vidéo par le fait que j'entends souvent cette notion qui revient et re-revient, le problème de l'argent. Je ne peux pas réaliser telle ou telle chose dans ma vie pour une question d'argent. Je vous l'accorde. L'argent peut nous aider à réaliser certaines choses. Mais selon moi, ce n'est pas la richesse qui manque dans ce monde-là, c'est le partage. Et deuxième point, votre plus grande richesse, c'est le temps. À vous de l'utiliser de la meilleure des manières. Dans nos vies, on a des choix à faire. Souvent, les gens disent « quand je rentre, je suis fatigué. Quand je reviens de la maison, j'ai les enfants à m'occuper, j'ai telle ou telle chose à faire. »
et donc j'ai pas l'énergie pour réaliser telle ou telle chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce qui me paraît important, c'est votre vision, votre abnégation, votre volonté qui sont liées à ça. Vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas avoir dans votre journée un 20 ou 30 minutes qui sera utilisé pour votre vie, pour la réalisation de vos rêves. Approfondissez vos passions, approfondissez vos rêves. Essayez de réfléchir. Laisse pas l'opinion des gens devenir ta propre réalité. On se fait souvent influencer par les visions extérieures. Un autre aspect aussi, j'entends souvent les gens qui me disent « Oh, mais laisse le temps, ça fera changer les choses ou peut-être les améliorer avec un peu de chance et tout ça. » Non, la vie, on la prend en main, point barre. On dit que le temps change les choses, mais en fait, le temps ne fait que passer. Et nous devons changer les choses nous-mêmes. Si vous voulez changer vos vies, vous devez investir en vous-même, faire quelque chose qui vous passionne. Si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous? Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Inscrivez les réponses sur une feuille de papier si ça peut vous aider. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ne soyez pas vague, soyez précis. Le fait de l'inscrire sur une feuille de papier, c'est un procédé de prise de conscience et d'éveil. Si ce que vous avez dans vos vies ne vous plaît pas, pourquoi vous continuez? Vous avez accepté inconsciemment cette situation. J'aimerais vous partager une petite phrase, je ne me rappelle plus quelle était l'origine de cette phrase, mais elle a beaucoup de sens et de valeur pour moi. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, par le biais des crédits, pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Ça fait quand même réfléchir. Alors, pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais vous dire, ne laisse jamais quelqu'un te dire que c'est pas possible. Parfois, les gens sont mauvais dans quelque chose. Et ce qu'ils vous disent, c'est « non, le fais pas » ou « tu n'y arriveras pas » ou « ça ne marchera pas ». En fait, les gens vous partagent leurs peurs, leurs échecs, leurs impressions. Vous n'avez pas besoin de suivre ça. Ce sont des choses qui sont très négatives. Pour changer les résultats dans vos vies, il faut changer ses actions. Et pour changer ses actions, il faut changer ses pensées. On revient à un concept que j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Je finirai cette vidéo par une citation. Il n'y a qu'une chose qui rend impossible la réalisation de ses rêves, c'est la peur d'échouer. Alors je tenais à vous dire à tous, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, mettez un gros like et également un partage si ça peut éveiller des personnes dans votre entourage. Allez, ciao ciao tout le monde et à une prochaine vidéo en Indonésie.